l'heure déjà. Ah oui, il est vénère lui. Ça me paraît si dur dans ta tête. Il va y arriver. Bonjour à tous. Vous connaissez sûrement Jokes de Papa. Eh bien, c'est sensiblement la même chose, mais en un peu plus épicé, vous allez voir. Laissez-moi vous expliquer. Nous allons faire des blagues, et le premier qui rigole mange un piment en verre fort. Si jamais il rigole deux fois, la sanction sera une cuillère de Tabasco. Puis de Harissa, de Pili Pili, et enfin de Piri Piri, où il aura perdu la partie. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Installez-vous bien, et bonne vidéo. C'est deux cacas qui vont à la guerre. Mec, mais non, mais c'est pas possible, mec. Attends, j'ai eu trop de pression, en fait. J'ai eu trop de pression. J'ai eu trop de pression. Mec, pourquoi je pleure déjà? Je vais pas être à sa place. Ça va. Ça pique, mais... Mais ça va. C'est vraiment un petit bout de chorizo. Ok. Tranquille. Quel est le comble pour Elon Musk? Je sais pas. D'acheter un Mars. Attends. Pourquoi les éléphants sont-ils gris? Je sais pas. Parce que s'ils étaient rouges, on les confondrait avec des fraises. Si Jésus était un crapaud, où serait-il mort? Je sais pas. Sur la croix. C'est compliqué à manger après. Mais ça va, c'est pas mauvais. Hein. Ah, ça te pique? Vas-y, crache. Oh, j'ai des relents, mec. Ouais. Comment tu veux qu'on fasse ça? Mais comment ça a pu te faire ça? Attends, mais on n'avait pas le même, mec. It was at this moment that he knew he fucked up. Toi, on n'a pas le même. Ah ouais? Ah non, on n'a pas le même. À sa mère, on n'avait pas le même. Ouais. Ah non, on n'a pas le même. C'était pas la même chose. Tu l'as, mec. On n'a pas pris les mêmes. Ah oui, il est vénère, lui. Ah oui, ok. On est sur du piment fort, quoi. C'est un bus qui va à Lourdes. Le bus, il est rempli de grand-mères. Ok. Une grand-mère se lève du fond du bus, et va voir le chauffeur. Elle lui propose des cacahuètes. Le chauffeur dit « Oh, mais merci, je voulais m'arrêter pour grignoter, car j'avais une petite faim. » Il prend des cacahuètes et en mange une grosse poignée. La grand-mère repart, et 10 minutes après, la grand-mère revient, et lui repropose des cacahuètes. Le chauffeur en prend une poignée, directement, et dit merci, et en remange une grosse poignée. La grand-mère repart, elle va au fond du bus, et dit 15 minutes après, elle revient, d'accord? Et lui propose des cacahuètes. À ce moment-là, le chauffeur lui dit, « Mais dites-moi, vous préférez pas garder vos cacahuètes pour vos copines au fond du bus ?» Et la grand-mère répond, « Vous savez, nous, avec les M&M's, on n'aime que le chocolat. » Quel bâtard! Mec, pourquoi t'as pris des trucs trop longs, là? Putain, non! Tiens, t'as une petite cuillère. Ça devrait être moins fort que ça, je pense. Je pense que t'en mets un peu comme ça, voilà, pour... Non, on joue au jeu, Ah, ok. Allez, une vidéo de merde. Ça paraît si dur dans ta tête. Ton avis par rapport au premier? Un peu moins fort. Un tout petit peu. Sauf que là, ça brûle pas la bouche. À toi. Chérie, j'ai un problème!
dis pas j'ai, mais nous, nous sommes un couple, mon amour. Ok, nous, je suis... Nous sommes enceintes du voisin. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Jonathan! Oh non. Ah, putain de merde, je suis nul. Je suis nul. En plus, avant de commencer, je me suis dit 100% il va la faire celle-là. Ah ouais? 100% parce que je l'ai vu passer. C'est un classique. Quand j'ai cherché mes blagues, je l'ai vu passer plein de fois et je me suis dit. C'est un classique. J'ai pas à prendre. Si tu l'as fait, ça. Oh la vache. Oh non, pas tout ça. Mais c'est bien là. Mais tu vas te décéder là. Oh là là! Je veux. Oh la vache. Où habitent les gens les plus dangereux? Je sais pas. Mais ils viennent d'Angers. Putain, t'es fort, foiré. En fait, ces deux-là, ça va. Je suis tellement pas convaincant. Il pleure. Je pleure. Il pleure. Mais il dit ça va. Vas-y. Que dit une pilule dans un pot de pilule? Je sais pas. Je me sens comprimé. Celle-là est un peu technique. Mais très marrante une fois que tu la comprends. Mm-hmm. Je t'écoute. Il faut pas hésiter à rien. Surtout, avec ne pas hésiter. Okay. Si elle est drôle, je rigole. Quel animal nourrit seul sa voiture? Aucune idée. Pas. La chèvre, car elle nourrit son cabriolet. Oh, j'ai pas y rigoler. J'ai pas y rigoler. Toujours moins mal que si t'as la bouche. Que fait un crocodile quand il rencontre une superbe femelle? J'ai jamais entendu parler. Je sais pas. Il l'accoste. Mec, en plus, elle est tellement nul, mec. Mais putain de merde. C'est juste ton vieux geste là, il l'accoste. Putain. Merde! Hop là! Ils ont l'air gavé long en fait! T'étais pas obligé de. Putain, j'ai l'impression qu'il y a le feu à l'intérieur. J'ai l'impression que tu vas le croquer, ça va faire des étincelles. 1, 2, 3, 4. T'as vu? Ça donne envie de. Une bonne baguette de pain là, je l'aurais défoncé. Je vais le referme. Je vais laisser s'aérer si ça peut perdre. On va le laisser s'aérer. Quel est le pays le plus cool du monde? Je sais pas. Le Yémen! Pourquoi est-ce qu'on met tous les crocodiles en prison? Je sais pas. Parce que les crocodiles. Elle était très violente celle-là. Dans quel pays on ne bronze jamais du nez? Je sais pas. Au Népal. Ça devient sérieux, c'est là. Un arabe et un juif montent dans un avion. Le juif, donc ils montent dans l'avion, ils s'assoient tous les deux à côté. Le juif demande à l'arabe s'il peut aller lui chercher un petit jus d'orange. L'arabe dit, bon, j'ai pas trop envie, mais je vais quand même le faire. Donc il va au fond de l'avion, et il va lui chercher un petit jus d'orange. D'accord? Pendant ce temps-là, donc le juif est parti chercher un... Non, c'est l'arabe qui est parti chercher un petit jus d'orange. Pendant ce temps-là, le juif, il prend la chaussure de l'arabe, qui s'était déchaussée, et il va lui cracher un molar, mais un truc genre... De la chaussure, ok? L'arabe. Ok. L'arabe revient, lui donne son petit jus d'orange. Le juif, tout content, boit son petit jus d'orange. D'accord. Il faut une petite sieste pendant le vol. Et à la fin, le juif s'en va en premier. D'accord. Et là, l'arabe, il se dit, tiens, il faudrait que je remette mes chaussures.
Et en remettant ses chaussures, il se dit « Oh putain, le bâtard, il a craché dans mes chaussures, quoi !» Il dit là, vraiment, les Arabes et les Juifs, ils seront jamais contents entre eux, parce que moi, je lui ai pissé dans son jus d'orange, et lui, il a craché dans mes chaussures. Pas mal, pas mal, pas mal. C'est l'histoire d'un poil. Un poil... Un poil. Okay. Qui allait très très bien. Et tout d'un coup, il allait plus bien. Yes! Arissa! Là, ça arrive à cap rien. C'est à moi? Ok. Comment appelle-t-on un hamster dans l'espace? Je sais pas. Un hamstéroïde? Est-ce que tu as déjà entendu le cri d'un spermatozoïde? Non. Mais la prochaine fois... Ah non, je perds là-dessus! Oh, je suis un connard! T'es trop bien! Non! Putain de merde! Putain, c'est 10 fois pire que les autres, mec. Il me faut que je sois sous. Un verre, pas plus par jour. Par heure. Genre... N'oubliez pas de laisser un petit commentaire de le prochain défi qu'on pourrait faire en joke de papa. Et on vous fait des bisous. Bisous!